Eh bien, salut à tous, c'est le Souk, et donc, on se retrouve pour Zero no Kiseki. La dernière fois, donc, on était à la ville de Mainz, on avait commencé à avancer sur le coupable, et on se préparait à faire une opération pour les embûcher. Mais avant ça, on a trouvé un moyen d'entrer dans la mine, donc du coup, on va explorer la mine, parce que why not. Alors, j'ai testé un peu off-screen, pour voir un peu si les monstres étaient pas trop forts. Non, ça va, les monstres sont au bon niveau. Donc on peut gérer. Donc voilà. Évidemment, tous les monstres ici sont nouveaux, donc on va tous les voir. Alors... allez, on s'en occupe pas. Je crois que eux sont bien le vent, si nous sommes bien. Et rien n'empêche de faire ça. Alors, comme d'habitude, on va les analyser. La bombe a propulsé l'autre gars là-haut. Ah, c'est ça, ils sont vulnérables au vent. Ah, un petit nouveau sort. Ah, il fait assez mal. Ils sont vulnérables au feu aussi. C'est pas vulnérable à l'eau par contre. Je l'ai propulsé assez loin, n'empêche. Ah, la bonne portée de ce truc. Voilà. Et bien, le salamander. Alors ensuite... alors il a dit de pas aller à gauche parce qu'il y avait une mine abandonnée. Voilà, de toute façon c'est fermé donc on peut pas y aller. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite... on peut aller par là. Machin, il y a que ce monstre ou c'est moi en fait. Enfoiré. Ok. Oh là là. Un petit rabalme. C'est ici que je mettrai mon objet. Si j'en avais un. Mais tu n'en as plus parce qu'on te l'a piqué. Parce que nous sommes des gros enfoirés de voleurs. Alors. Par là, nous avons... j'ai l'impression qu'il n'y a que cet ennemi là. Ok, ça va être un cul-de-sac. Non, ça continue par là. Il y en a un encore. Reviving Ban, ok. Ça marche. Et donc... rien. Il y a un ennemi là-haut. Là nous avons Martial Art Uniform. Alors ça augmente pas la défense mais ça augmente la vitesse. Je peux le prendre. Alors pourquoi je vais rien équiper sérieusement. On va reconnaître ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Continuez à faire du bon boulot et vous êtes destiné à devenir mainstay. Je comprends pas la blague. Il y a beaucoup de jeux de mots en fait avec les noms des villes, donc c'est pas vraiment compréhensible en français. En fait, c'est quand je vois ce truc-là, par exemple, que je me dis que... non, et traduire ce jeu en français va être compliqué, d'ailleurs, je vais pas parler à celui-là. Le vrai trésor est enterré et en dessous. Oh, mais vous ne serez jamais capable de me bouger. Jamais. Enfoiré. Bon. Alors, je crois qu'il y a encore un chemin qu'on n'a pas été. Par là.
on a encore. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a que cet ennemi là. Hein. Ok, alors. Il y a un coffre là. HP2. Ha ha! Je suis actuellement en un coffre caché, déguisé qui travaille pour la police. Ah non. Pour le département de la police des coffres. Ils ont fait un jeu de mots avec CPD et Chest Police Department au lieu de Crossbell Police Department. Bon, bref. Vous êtes cuit. Ah là là, n'importe quoi. Et bah je crois que c'est tout ce qu'il y avait ici. Ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y avait ici, on peut pas faire plus. Bon, il y avait que cette ennemie là, visiblement. Ouais, je suis vivant avec cette mine là. Ouais, non, c'est bon, je comprends. En fait, la quête qu'on aura plus tard elle permettra, je crois, d'aller dans la ville, ville abandonnée où les monstres sont plus forts. Donc, ouais, voilà. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire dans cette mine. Alors, maintenant, si vous permettez, je fais une petite pause parce que j'ai besoin d'un ordre pressant. Je reviens. Ok, donc c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis reposé pour me soigner. Donc, on va pouvoir continuer. On doit toujours décider de la stratégie. Et nous devons aussi pouvoir capturer la mafia. Donc pendant la nuit, les choses se passent. Voilà, donc là c'est deux miniers qui rentrent chez eux. Ouais, le mec est complètement bourré. Voilà. Un gros malade de casino en plus. Et là, c'est le drame. Voilà, bon, ça ressemble plus à des chiens qu'à des loups. Voilà. Ah, je te confirme qu'elles sont très utiles, tes grenades, Randy. Et on va devoir s'occuper des monstres. Allez, c'est parti. J'aime bien comment ils ont fait en sorte que ça respecte le truc. Tu commences dans une formation très similaire à... à la position que tes persos ont dans la scène d'avant. Alors, on va utiliser ça, je crois qu'ils sont vénères à l'aveugler. Ouais, on peut les aveugler. Voilà, on peut les aveugler, ça c'est pratique. Ah, j'ai oublié un problème d'aérial, merde. En fait, aérial ça suit pas la cible.
C'est pas grave, j'ai quand même poussé dedans. Donc pas de faiblesse. Par contre, ils ont résistant à plusieurs trucs. Résistant à plusieurs sorts, altérations d'état. Ça va, il a raté. Alors. On va soigner Lloyd. Ah dommage. Alors. Alors, est-ce que je peux renouveler le blind avec ça? Ouais, je peux le renouveler. Faire ça. Parfait. Ok, on va faire comme ça. Bon, ils sont coriaces. Celui-là est presque mort. Oh, come on. Ok, faut que je délaye celui-là. Salaud. Mais c'est pas grave. Ah, comme ça, on a l'attaque. Voilà. Voilà. À ce stade, je pense que ça va être bon. Alors, je saute. J'économise mes S-Craft. Parce qu'il va y avoir un deuxième combat en fait. Voilà, donc. Il va y avoir un deuxième combat, donc j'économise mes S-Craft pour ça. Voilà, ils ressemblent plus à des chiens qu'à des loups. Voilà, ce sont des chiens de guerre entraînés en gros.
Alors il a fait fuir. Il faut qu'on les poursuive. Pour aller jusqu'à leur maître. Voilà. Vous êtes fait avoir. À ton avis. Alors, on est déjà connu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il faut gérer l'analyse? Non, il faut pas gérer l'analyse. Par contre, il faut l'analyse des deux. On peut aveugler tout ce joli petit monde. Ah, évidemment, j'en ai raté un. Ouais, non, ça va pas marcher. Alors. Considérant qu'ils vont sûrement venir attaquer au corps à corps, on va placer l'aérial. Raté. Raté. Ah, j'adore le blind. Ah, ça par contre c'est pas cool. Alors, faut juste que j'analyse. Celui-là. C'est parfait. Je peux faire ça. Okay, c'était pas mal. Et il s'est suicidé sur le burn.
Alors, est-ce que... Oh, il y a encore ce bug. Je sais pas pourquoi, il y a un bug qui, des fois, m'empêche de changer de cible. Et c'est vraiment énervant. Là, par exemple, je peux pas changer de cible. C'est énervant. C'est énervant et je sais même pas pourquoi ça arrive. Donc, là, je peux pas faire autre chose que cibler ces deux loups-là. C'est vraiment énervant. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui provoque ce bug. Et merde. Bon, lui, il est mort. Alors, remettre la... Voilà, on va remettre ça. Alors, en plus, c'est bien placé. Hop. Fais-toi plaisir, Tio. Ah, j'aurais préféré tuer de tout mal. Allez, putain. Voilà, bon, c'est pas hyper dur, hein. Voilà. Oh, c'est pas super dur, hein, faut juste faire gaffe. Voilà. Mais vraiment pouvoir mettre à l'aveuglement, ça aide vraiment. Non. Si vous avez sous-estimé. Ouais, non, évidemment, ils en ont d'autres. Beaucoup d'autres. Bon, alors par contre, comment des monstres aussi gros tiennent dans un van aussi petit? Ne me demandez pas. Et là on voit que Randy est en train... Ah, il se retient. Il a un truc, Randy.
C'est le mal alpha. Voilà. On a gagné, même si on s'est fait aider, du coup. On entendra parler de ce loup blanc. Et voilà qui voilà. Ah, il a noté la présence de Rain en fait. On l'observe de loin. Et elle n'est pas la seule à observer de loin. Elle a compris comment il marche. Hein. À la lame divine du vent. Le sur l'homme. Et là, on apprend autre chose. Enforceur numéro 15 de la société Ouroboros. Voilà. Alors, Ouroboros, on n'entend pas trop parler dans ce jeu-là. Mais Ouroboros, en gros, c'est les gros antagonistes de la série, on va dire. Voilà. En passage, on entend qu'il devait être promu au rang S, mais qu'il a refusé. Non, il parle de Cassius Bright. Cassius Bright, c'est un très très important, une très importante personnalité qu'on découvre dans 13 in the Sky. Ah, et Rain dit que ses techniques à l'épée surpassent celles de Cassius Bright. Voilà. Et quand elle dit que la plus puissante personne qu'elle ait connue, je pense qu'elle parle d'un autre gars de 13 in the Sky. Combien de temps vas-tu continuer à leur échapper? Là, il parle pas d'Ouroboros, là, il parle d'Estelle et Joshua, qu'on a rencontré quelques épisodes plus tôt, si vous vous souvenez. Voilà. Elle est venue là pour des raisons personnelles.
Voilà, bon, ils se font un deal, en gros, ils parlent pas d'elle à Gestel et Joshua, et elle, elle reste sage dans son coin. Idée, Arios, tu n'as pas idée. En gros, il dit si seulement il y avait un troisième groupe qui pouvait les réunir. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de Estelle, Joshua et Rain, ce serait trop long. Et donc, le lendemain. C'est bien possible. Effectivement, ça aurait mal tourné si ça avait pas eu les loups blancs. Se fait en gros prendre une bonne leçon. Voilà, bon, on a bien rempli notre part du marché. Et du coup, bah les loups blancs ne sont plus coupables. Comme ça que marche ta mafia. Mais malheureusement, si il y a des grosses relations. C'est le problème même des mafieux qui ont des relations. Ok, on peut rentrer chez nous. La fatigue.
Je pense que personne n'est contre, Ellie, pour une bonne sieste. Passer quelque chose. C'est bien, on se fait remercier. C'est un compliment, n'est-ce pas? Évidemment, on se le demande des fois. Quelqu'un s'est venu. Alors, attends, il est apparu de nulle part. Est-ce que vous pouvez me blâmer pour pouvoir prendre un peu de recul? Il? De qui il parle? On a un petit invité imprévu, apparemment. Alors, on a un petit invité surprise, elle, voilà. J'avais dit qu'on reverrait ce loup. Oh my. La surprise. Un ami à vous, j'espère. Encore plus fainéant que moi, donc je l'ai juste laissé sur le sol. Pourquoi est-il là? Voilà la question, pourquoi est-il là? Oh. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, donc il s'appelle Zayt. Voilà, donc il le remercie pour avoir, en gros, lavé son nom, des fausses accusations, contre lui et sa meute. Zayt. Il est venu le remercier. Oh, qui a-t-il dit? Vous êtes toujours jeune et pas fiable. Je vous aiderai par pure nécessité, mais seulement comme je le sens. C'est pas vraiment le problème, non. Le fait que ta meute soit tranquille, c'est pas vraiment le problème. Et hop, il s'emmerde pas. Le chef est d'accord, lui. Voilà, on va prétendre que c'est un chien de police. En gros, démerdez-vous. C'est votre problème, démerdez-vous. Ah là là. Ah, les choses mignonnes pour les personnages féminins de jeux japonais. Elle n'est pas convaincu, Lloyd, hein.
Voilà, notre récompense pour tout ça, on a un nouveau chien de garde. Et voilà, sur ce, donc ça conclut le premier chapitre du jeu. Et on a obtenu un nouvel accessoire. Voilà, bah sur ce, c'est parfait, on va s'arrêter là. Et donc, bah je vous dis à la prochaine et salut!